Je suis William Pasquier. TV Ruiz et l'école du One Man Show vous proposent de découvrir deux nouveaux talents. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là. Alors avant de me détruire, j'aimerais vous faire part de mes dernières volontés. Alors d'ores et déjà, j'ai décidé de faire don de mes abats à la science, justement. Bien. Et puis s'il reste quelques morceaux de viande, je souhaite vivement qu'ils soient jetés aux ordures dans un sac poubelle. Bah bleu si possible, ça me rappellera mes vacances à Belle-Île. En tout cas, j'ôterai formellement aux compagnies de pamphlets de venir emmerder ma veuve avec leur catalogue de cercueils. Je vous aurais prévenu les croque-morts de France. Mon cadavre sera piégé. C'est bien simple, le premier qui me touche, je lui pète à la gueule. Ok, 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 c'est pas mal. La technique, si je dois parler de technique, je vais en parler de manière vocale et des choses comme ça. Mais vous voyez bien que je n'invente rien. Tout s'installe parce que techniquement, il y va. Donc c'est bien. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais une paire de chaussures en 40 et demi pour ma grande fille qui est là. Voilà. Je suis sûre que vous lui donnez 18 ans. Pas du tout, elle a 13 ans. Elle est en plein âge ingrat. On ne sait comment les chausser à cet âge-là. Les habiller, c'est un problème. Je voudrais une paire de chaussures solides, voyez-vous. Afin qu'elle puisse faire éventuellement une petite promenade. Puis j'aimerais bien qu'elle puisse participer au gala de chasse. Voyez-vous, ça lui ferait beaucoup de bien. Je t'en prie, ma chérie, arrête de dire merde toutes les deux minutes. C'est abominable dans la bouche d'une jeune fille. Tu ne t'entends pas parler. Ton père et moi sommes horrifiés. Tu ne peux pas dire deux mots sans dire putain, bordel. Ok, c'est vraiment bien. Je crois que c'est très important que tu continues de travailler sur ce côté inquiétant, sans perdre de vue que c'est de l'humour. Oui. Mais non, mais c'est pas... Moi, j'ai peur du coup d'être dans un truc super inquiétant, mais qui n'est pas le... Non, parce qu'on verra ça plus tard. Le côté inquiétant sera suffisamment installé pour qu'on puisse y mettre de la légèreté. Oui.